Le premier ministre Abdoul Mbaye a lancé officiellement dans le Ngalenka les travaux d'aménagement hydro-agricole de la cuvette de cette localité du département de Podor. Le chef du gouvernement a ensuite présidé la cérémonie officielle de démarrage des travaux de construction du pont de Ndioum. Ces deux projets sont financés par le Millennium Challenge Cooperation pour un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA. Mon gouvernement fait donc de l'exécution correcte des projets du MCA une grande priorité, car nous avons la responsabilité de l'exécution des projets pour lesquels le président Macky Sall s'est engagé vis-à-vis du peuple du Sénégal. Mais nous avons aussi celle de mériter le choix porté sur notre pays par les autorités des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi je dois également vous réaffirmer que nous partageons parfaitement les principes de bonne gouvernance qui accompagnent cet ambitieux programme de développement. Le lancement de ces travaux s'est déroulé en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar et du directeur général du Millennium Challenge à Compte.